Nous sortons du village d'Agbaï avec le sentiment que les efforts du gouvernement faits en matière de solidarité et de lutte contre la pauvreté ne sont pas des efforts vains. En initiant le programme des filets sociaux, le président de la République avait pour objectif de sortir les ménages de l'extrême pauvreté. Et les femmes d'Agbaï nous démontrent à travers le programme des filets sociaux, que nous pouvons sortir de l'extrême pauvreté avec un transfert monétaire, mais surtout avec un accompagnant, parce qu'elles ont dit elles-mêmes, elles ont reçu un paquet de formations. Formation dans la culture de l'épargne, formation à l'initiation d'une activité génératrice de revenus, et elles ont su concilier vie des familles et activité génératrice de revenus. Donc c'est une avec modèle. Certaines sont sorties du programme, mais c'est surtout la résilience des ménages qui sont bénéficiaires des programmes sociaux lorsqu'ils sortent, qui arrive à tenir le rythme malgré les chocs qui pourraient advenir. Donc nous sortons de Dabou avec un sentiment de fierté et nous disons merci au chef du village. Nous allons continuer à suivre les activités, leur permettre de mieux renforcer ce qu'elles font, puisqu'elles font très bien le manioc, la tiké, mais c'est encore de manière artisanale. Que je vis pendant cette visite, c'est beaucoup de transformation dans la vie chez les femmes. Et transformation dans la vie dans le village. J'ai observé que les investissements en tant que formation, en tant que soutien aux femmes pour économiser, ces investissements ont apporté de bénéfices au niveau du village. En tant que le bien-être chez les femmes, le bien-être chez les enfants et les opportunités pour l'avenir. Et c'est une stratégie très importante pour accompagner le gouvernement à réduire la pauvreté, à éliminer la pauvreté. D'où l'importance aussi dans la collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale de continuer de tels programmes.